أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Cœur et leurs yeux, tout comme lorsqu'ils n'ont pas cru la première fois, et nous les laissons dans leur rébellion patauger aveuglément. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا Ferions-nous même descendre vers eux les anges, ou leur parleraient les morts, ou quand bien même nous rassemblerions tout devant eux, ils ne croiraient point sans qu'Allah le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont plongés dans l'ignorance. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Nous avons désigné pour chaque prophète comme ennemis les démons d'entre les humains et d'entre les djinns, les uns inspirant aux autres les ornements fallacieux de la parole. Mais si ton Seigneur avait voulu qu'il n'en fût point ainsi, il ne l'aurait certainement jamais fait. Laisse-les donc à leurs inventions illusoires. Que penchent donc les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'autre monde vers ces fallacieuses paroles et qu'ils en soient satisfaits et continuent à commettre ce qu'ils commettent. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Voudrais-je un autre juge qu'Allah, lui qui a fait descendre en révélation vers vous le livre clairement détaillé. Ceux qui reçurent de nous le livre savent qu'il est révélé en toute vérité par ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. La parole de ton Seigneur s'est accomplie, toute de vérité et de justice. Nul ne pourra changer ses paroles. Il entend toutes choses et il est l'omniscient.
تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Si tu prêtes attention à la majorité de ceux qui peuplent la terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que conjectures et n'adoptent que suppositions. Ton Seigneur sait le mieux qui s'égare de son chemin, et c'est lui qui sait le mieux qui sont les bien orientés. Mangez donc de la viande des animaux sur lesquels le nom d'Allah a été prononcé. Si en ces versets vous êtes vraiment croyants. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Mais qu'avez-vous à ne pas manger des viandes sur lesquelles a été prononcé le nom d'Allah ? Il vous a pourtant détaillé les choses qu'il vous a défendues, à moins que vous ne soyez conduits par nécessité à en consommer. Beaucoup de gens égarent les autres en suivant leurs passions, sans se fonder sur aucun savoir. Ton Seigneur sait le mieux quels sont les transgresseurs. Abandonner le péché, qu'il soit visible ou caché. Ceux qui commettent le péché seront rétribués selon les actes qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de la viande des animaux sur lesquels n'a pas été prononcé le nom d'Allah. Ce serait commettre une abomination. Les démons susurrent à leurs adeptes de disputer avec vous, et si vous les écoutez, vous serez du nombre des associâtres. كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين
ما كانوا يعملون. Celui qui était mort et que nous avons fait revivre, qui a reçu de nous une lumière pour marcher parmi les hommes. Est-il semblable à celui qui est plongé dans les ténèbres et ne saurait en sortir? Ainsi sont embellies aux yeux des mécréants les actions qui étaient les leurs. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ainsi également, avons-nous établi dans chaque cité ses plus grands criminels, afin qu'ils se livrent à leur conspiration? Mais ils ne conspirent que contre eux-mêmes, et ils ne le sentent pas. الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Quand un signe leur apparaît, ils disent « Nous ne croirons point avant qu'il ne nous vienne ceux-là même qu'ont reçu les messagers d'Allah. Allah sait mieux à qui confier son message. Les criminels seront frappés d'humiliation et d'insignifiance devant Allah. Un terrible supplice leur est promis pour les complots qu'ils ourdissaient. » الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Celui qu'Allah veut bien guider, il lui ouvrira le cœur à l'islam. Mais celui qu'il veut perdre aura la poitrine si serrée qu'il aura l'impression de monter au ciel. C'est ainsi qu'Allah décrète son châtiment contre ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur, parfaitement droite. Et nous avons détaillé les signes ou versets pour des gens qui se souviennent. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Ils ont auprès de leur Seigneur la demeure du salut. Il est leur protecteur pour prix de ce qu'ils faisaient. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Et le jour où il les rassemblera tous en foule, il dira « Ô peuple des djinns, vous avez abusé des humains. » Alors, leurs suppôts parmi les humains répliqueront « Seigneur, nous avons profité les uns des autres, mais voici que nous arrivons au terme que tu nous as fixé. » Il leur dira alors « Le feu est votre séjour. Là, vous demeurerez pour l'éternité, à moins qu'Allah ne veuille un autre sort. Ton Seigneur est certes sage et omniscient. » وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Et c'est ainsi que nous attribuons à quelques-uns parmi les injustes l'autorité sur d'autres, coupables qu'ils sont de ce qu'ils ont commis. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء peuple des djinns et des humains. Des messagers surgis d'entre vous, ne vous sont-ils pas venus vous parler de mes signes et vous avertir de la rencontre de votre jour-ci? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie en ce bas monde les ayant abusés, ils témoigneront contre eux-mêmes d'avoir été mécréants. ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Cela parce que ton Seigneur ne détruit jamais injustement des cités quand ceux qui les peuplent n'ont pas été avertis. ولكل درجات مما عملوا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Chacun aura des degrés à la mesure de ses œuvres, et ton Seigneur n'est point distrait de ce qu'ils font. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Et ton Seigneur, qui se passe de toute richesse, qui détient la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous ferait succéder par qui il veut, tout comme, à l'origine, il vous a créé de la descendance d'un peuple différent.
Ce qui vous est promis viendra sûrement, et vous n'êtes point capable de le rendre impossible. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dis, ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Vous saurez qui aura gagné dans l'autre monde. Les injustes, certes, ne réussiront pas. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Il réserve à Allah une partie de ce que lui-même a fait pousser comme récolte et créer comme bétail. Puis ils prétendent « Ceci est pour Allah ». Et ils ajoutent « Et ceci est pour nos divinités que nous associons à Allah ». Or, ce qui est destiné à leurs idoles ne parvient pas à Allah, et ce qui est destiné à Allah parvient à leurs idoles. Quel piètre jugement que le leur! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. De même, leurs alliés parmi les démons ont embelli aux yeux de nombre d'associâtres le meurtre de leurs propres enfants, afin de les perdre et d'altérer leur religion. Or, si Allah avait voulu, il ne l'aurait point fait. Laisse-les donc avec les mensonges qu'ils s'inventent. أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Ils prétendent: ce sont là des bestiaux et des récoltes qu'il est défendu de consommer. N'en mangeront que ceux que nous voulons. Certains de ces bestiaux ont le dos interdit, et sur d'autres n'est pas prononcé le nom d'Allah. Que d'inventions contre lui! Il les rétribuera certainement pour les mensonges qu'ils inventaient. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Et ils disent encore, ce que portent dans leur ventre de telles bêtes revient au mal d'entre nous, mais il est défendu à nos femmes. Cependant, si la bête n'est morte, tous y auront droit. Il les rétribuera pour leurs prescriptions, car il est sage et omniscient. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Ceux qui ont tué leurs enfants sans aucun savoir ont certes perdu. Eux qui ont défendu ce qu'Allah leur a dispensé comme subsistance, proférant ainsi des mensonges sur Allah. Ceux-là se sont perdus et ne sont point orientés vers le bon chemin. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et c'est lui qui a créé des jardins, les uns sous des treillis, les autres sans treillage, ainsi que les palmiers, les cultures aux productions si diverses, et l'olivier et le grenadier, semblables en apparence, mais différents quant au goût. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en le dû au jour de leur récolte. Et ne dilapidez rien, car Allah n'aime pas les dilapidateurs. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Et il a créé, entre autres bestiaux, ceux qui servent pour le transport, et d'autres plus petits pour d'autres produits utiles. Mangez de ce qu'Allah vous a dispensé, et ne marchez pas sur les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Ont été créés 8 genres de bestiaux répartis en couples, le mâle et la femelle, 2 ovins et 2 caprins. Dis, sont-ce les 2 mâles qu'il a défendus à la consommation ou les 2 femelles? Ou encore, ce que portent les matrices des 2 femelles? Informez-moi en toute connaissance si vous êtes véridique. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت
حملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et pour les camélidés, 2, le mâle et la femelle. Et pour les bovins, 2, le mâle et la femelle. Dis, sont-ce les deux mâles qu'il a défendus à la consommation, ou les deux femelles? Ou encore ce que portent les matrices des deux femelles? Ou bien peut-être étiez-vous présent comme témoin quand Allah vous l'a prescrit? Qui donc peut être plus injuste que celui-là qui raconte des mensonges sur le compte d'Allah pour égarer les autres, sans se fonder sur aucune science? Allah ne guide point les gens injustes. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن رب Dis, je ne trouve rien dans ce qui m'a été révélé dont il soit défendu. À qui veut se nourrir de manger, sauf s'il s'agit d'une bête morte, d'un sang répandu, ou d'une viande de porc, ce qui serait impureté, ou encore de tout sacrifice pervers adressé à d'autres divinités qu'Allah. Cependant, quiconque y est contraint, sans avoir l'intention d'abuser ou d'enfreindre un interdit. Qu'il sache qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Aux Juifs, nous avons défendu toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins. Nous leur avons défendu les graisses, excepté celles que portent leur dos ou qui se trouvent dans leur boyau, ou encore celles qui sont incorporées aux os. Nous les avons donc rétribués pour leur abus et nous sommes véridiques. ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. S'il te taxe de mensonge, dis alors, votre Seigneur est d'une immense miséricorde. Mais quand sévit sa rigueur, nul ne pourra la détourner des criminels. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Ceux qui ont associé des émules à Allah diront « Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas prêté des associés, pas plus d'ailleurs que nos ancêtres, ni nous n'aurions interdit quoi que ce soit. » Ainsi traitèrent tous de mensonges ceux qui les avaient précédés, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dis, détiendrez-vous donc quelque savoir par devers vous à nous montrer? Non, vous ne suivez que des suppositions et ne faites que divaguer. Dit, l'argument concluant appartient à Allah. S'il avait voulu, il vous aurait tous bien guidés. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Dis encore, appelez donc vos témoins pour qu'ils attestent qu'Allah a défendu tout cela. S'ils l'attestent, ne l'attestent pas avec eux, et ne suis pas les désirs de ceux qui traitent nos signes d'imposture, ni ceux qui ne croient pas à l'autre monde et prêtent des égaux à leur Seigneur. قُلْ تَعَالَ وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dis, venez donc que je vous détaille ce que votre Seigneur vous a vraiment défendu. Ne lui attribuez point d'associé. Traitez avec bonté vos deux parents. Ne tuez point vos enfants sous prétexte de pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées. N'ôtez point la vie qu'Allah a voulu sacrer, sauf pour rendre justice. Voilà ce qu'il vous a recommandé. Peut-être comprendrez-vous.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. N'approchez les biens de l'orphelin que de la manière la plus convenable, le temps qu'il atteigne sa majorité. Soyez juste lorsque vous établissez la mesure et le poids. Nous ne chargeons une âme que de cela même qu'elle peut supporter. Et quand vous parlez, que ce soit avec équité, dût-il s'agir de votre proche, et honorez vos engagements envers Allah. C'est ce qu'il vous recommande, peut-être vous en souviendrez-vous. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà ma voie, mais elle est toute droite. Suivez-la donc, et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent. C'est ce qu'il vous recommande. Peut-être atteindrez-vous à la piété. تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Puis nous avons donné à Moïse le livre accompli pour ce qu'il avait fait de bien. Nous y avons détaillé toutes choses en juste orientation, Huda, et en miséricorde, afin qu'ils croient en la rencontre avec leur Seigneur. Voici un livre béni que nous avons fait descendre en révélation. Suivez-le donc, ayez la piété. Peut-être obtiendrez-vous la miséricorde. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Cela afin que vous n'ayez pas à dire « Le livre n'a été révélé qu'à deux communautés avant nous. » Et nous étions beaucoup trop distraits pour songer à les étudier. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من رب بكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات
الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Ou que vous ayez à dire, si le livre nous avait été révélé, nous aurions pu nous orienter vers le droit chemin beaucoup mieux qu'eux. Or, voilà que vous sont venus, de la part de votre Seigneur, une preuve évidente, une direction juste, Huda, et une miséricorde. Qui est donc plus injuste que celui-là qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne ouvertement? Nous rétribuerons certes, par le pire des supplices, ceux qui se détournent de nos versets, pour s'en être si insolemment détourné. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قل انتظروا إنا منتظرون. Qu'attendent-ils donc, sinon que viennent vers eux les anges, ou que vienne ton Seigneur, ou que leur parviennent encore certains signes de ton Seigneur? Or, le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, plus aucune âme ne pourra compter sur sa foi si elle n'a pas cru auparavant, ou n'a déjà acquis quelques bonnes œuvres. Dis, attendez, nous-mêmes attendons. De ceux qui divisent leur religion et qui se partagent en sectes, tu n'es en rien responsable. Leur affaire est du ressort d'Allah, qui les informera de ce qu'ils faisaient. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Celui qui fait le bien le recevra au décuplé, et celui qui commet le méfait n'en aura que la rétribution égale, et ils ne seront point lésés. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dis, mon Seigneur m'a orienté vers une voie droite et une religion bien droite, celle d'Abraham, le pur monothéiste, qui ne fut point du nombre des associâtres. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma salat, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il n'a point d'associé. C'est l'ordre qui m'a été donné et je suis le premier des soumis, musulmans. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تك تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dis, voudrais-je un autre Seigneur qu'Allah, quand lui est le Seigneur de toutes choses? Toute âme n'acquiert qu'à ses dépens le mal qu'elle a commis. Nul ne portera le fardeau d'un autre, puis c'est vers votre Seigneur que sera votre retour. Il vous informera alors des différends où vous étiez partagés. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب Et c'est lui qui a fait de vous des régents sur terre et qui vous a élevés en degré les uns au-dessus des autres pour vous éprouver par cela même qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi absoluteur et tout miséricordieux.